Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de cette nouvelle pleine lune en taureau, qui est un portail vers la libération, vers la transmutation, connectée aux énergies d'Uranus et de Pluton. Elle se forme le 15 novembre à 21h30 en temps universel, dans le signe du soleil en scorpion, lune en taureau. La pleine lune est toujours un moment de face à face où nous pouvons accueillir nos propres dualités, nous relier à nos lunes et à nos soleils intérieurs pour trouver un équilibre entre ces deux forces opposées et complémentaires. Donc il est temps de célébrer ce qui a pris vie en nous au moment de la nouvelle lune et d'offrir nos vœux à la lune. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je suis Sandrine Verriken, je suis auteure et astrologue. J'ai publié plusieurs ouvrages, dont les derniers, le petit oracle astromystique que vous connaissez bien si vous êtes fidèle de cette chaîne, et le tout dernier, guide Bert et mémoire karmique. Mon chemin d'astrologue est guidé par la sagesse des étoiles, les cycles de la lune, pour vous accompagner vers une reconnexion à votre essence et toujours dans la douceur et l'authenticité, le plus possible en tout cas. Alors, en cette nuit où la lune pleine s'élève dans le signe du taureau, elle est le miroir de forces invisibles, d'énergies souterraines célestes qui travaillent ensemble pour nous guider vers un nouveau cycle. Et cette pleine lune, elle n'est pas comme les autres, car elle est conjointe à Uranus rétrograde, l'éveilleur, le porteur du feu sacré prométhéen, tandis que le soleil en scorpion dialogue intensément avec Pluton, maître des profondeurs. La lune aussi dialogue avec Pluton. Et donc c'est un ciel chargé d'archétypes puissants, où chaque planète devient une guide, une porte ouverte vers une compréhension plus large et plus profonde de nos cheminements qui démarrent. Donc Uranus est le libérateur prométhéen, l'archétype finalement du feu qu'il vole aux dieux pour l'offrir aux mortels, pour élever la conscience, pour briser les chaînes des conventions. Donc en mouvement rétrograde, Uranus nous ramène toujours à notre besoin de liberté, libérer en nous ce qui a besoin d'exister pleinement. Donc conjoint à cette pleine lune, il éveille en nous une urgence de transformation, une poussée intérieure vers plus de liberté. Donc cette pleine lune, elle n'est pas douce, elle nous invite à lâcher ce qui nous retient esclaves. Elle vient nous secouer, elle vient nous surprendre, elle vient nous ébranler, mais certainement pour mieux révéler notre lumière intérieure, celle que l'on cache peut-être par peur du jugement, par incertitude. Et puis Pluton, le souverain des ombres, l'alchimiste, eh bien pendant ce temps, Pluton, dans les toutes dernières heures du Capricorne, il s'apprête à nous offrir un nouveau visage, il est au seuil du Verseau. Il rentre dans un nouveau royaume bientôt, celui de la conscience collective, celui de l'esprit du groupe. Eh bien, Pluton, archétype de l'alchimiste, maître de la métamorphose, des métamorphoses nécessaires, vient nous transformer en profondeur, couche par couche, en déterrant tous les secrets, en ramenant à la surface les ombres anciennes. Et il nous invite à plonger dans des abysses, pour affronter nos peurs les plus primaires, pour revenir plus fort, plus authentique. Et Pluton, il travaille avec patience, pas comme Saturne, mais il prend son temps pour révéler l'or caché. Et donc la danse de la Lune et du Soleil est connectée à cette énergie d'alchimie de Pluton et d'Uranus. Et ces deux énergies qui agissent de façon unique et puissante viennent nous montrer qu'il est temps de vraiment, vraiment bouger, quoi, en fait. Pluton, de déterrer tout ce qui est enfoui, que nous avons refoulé, ignoré, et Uranus, qui nous rappelle que la libération, parfois brutale, est nécessaire pour avancer, et qu'il est important maintenant de lâcher toutes nos attaches confortables ou inconfortables, toutes nos certitudes. C'est donc un dialogue entre le feu sacré de la libération et le feu des profondeurs ou l'eau des profondeurs, un mariage entre l'éclair et la transmutation pour préparer un nouveau chemin, un nouveau paradigme. Et donc cette pleine lune, c'est un rite de passage. Toute cette période, c'est un rite de passage qui s'opère tant au sein du collectif qu'individuellement. À l'aube de l'entrée de Pluton en Verseau, nous devons embrasser notre pouvoir intérieur,
reconnaître les chaînes que nous portons encore et là où on a envie de s'en libérer pour devenir les architectes de notre propre transformation, pour nous libérer de l'ancien, pour permettre à Pluton de nous guider vers notre essence la plus profonde. Donc, cette pleine lune, c'est une invitation à l'introspection et à l'intention. Quelle est ton intention pour la suite ? Rentre en toi-même, questionne-toi sur ce que tu es prêt à laisser derrière toi pour marcher ta vérité un peu plus. Et Uranus et Pluton, ils ne vont pas faire de compromis, car l'un libère par la rupture et l'autre transforme par la destruction pour renaître. Mais ensemble, ils nous offrent une opportunité rare de nous réinventer et de nous préparer à une nouvelle ère en harmonie avec notre fréquence la plus authentique. Et c'est ça le plus important. Donc, que cette pleine lune soit pour chacun de nous un rappel à la libération, à la transformation. Et que les énergies d'Uranus et de Pluton qui dialoguent si bien, si merveilleusement par la présence du Soleil en Scorpion, par le dialogue entre la Lune et le Soleil avec Pluton, par la conjonction à Uranus rétrograde, finalement, on est connecté au transgénérationnel, au transpersonnel, donc au-delà du conscient, au-delà du connu, et bien que toutes ces énergies vous amènent une véritable libération intérieure. On va faire un petit tirage avec le petit oracle astromystique pour terminer. Je vais choisir 3 cartes. Et je t'invite à choisir la 1, la 2 ou la 3 pour voir un petit peu ce que cette pleine lune peut apporter en force de renouvellement et de régénération. Première carte, Vénus. La carte te rappelle que le monde a besoin de ta magie. Très joli message. Deuxième carte, le ciel. Vie et rêve sans peur. Et la réponse à ta question, si tu as posé une question, c'est une évidence. Mais bien sûr, c'est une évidence. Et enfin, l'une des visions nouvelles pour la troisième carte, crois en la beauté de tes rêves. La lune des visions nouvelles est appelée à la promesse d'un nouveau cycle. C'est une énergie très uranienne finalement, la lune des visions nouvelles, puisque c'est la phase 11 du cycle lunaire en lien avec l'énergie du Verseau et de Prométhée. Mon nouveau livre est sorti ou sort le 14, je tourne cette vidéo le 12, je ne sais plus, le 12 novembre, donc il sort le 14. Liberté, mémoire karmique, une approche que j'ai souhaité vraiment inédite des nœuds lunaires, mais pas que. On va aller à la rencontre du dialogue des nœuds avec les planètes, avec les astéroïdes, un guide accessible, complet, qui te permet de vraiment donner du sens finalement au plan étoilé de ton âme, avec plein de clés. Je reviendrai pour en parler, mais si tu souhaites le commander, le voici. L'axe des nœuds, les 12 axes des nœuds, les nœuds dans les temples, dans les maisons, et le dialogue des nœuds avec les astéroïdes, les planètes qui iront. Voilà, un guide complet, le guide astro du plan de ton âme. Gros bisous de Touloum, je reviens très vite pour de nouvelles vidéos.